It's now time for member statements. Alors, déclaration de députés, je reconnais le député d'Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme toujours, je suis heureux de reconnaître les bonnes personnes de ma circonscription de Essex. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de reconnaître un bon ami à moi, Christine Hayes, qui a été nommée la citoyenne 2008 d'Essex. Christine is an enthusiastic, dedicated, and compassionate volunteer for so many organizations in various capacities in our community. She's the treasurer of the Essex Region Goodfellows, secretary of the Essex Legion 201 Ladies Auxiliary, a canvasser for the Essex County Windsor Humane Society, a volunteur for the Big Bike Ride for Heart and Stroke. She sings in the Resurrection Choir of Jesus Church. She also supports numerous local charities. She does this all, Speaker, in our community while working full-time in Essex and raising her brilliant teenage son, Connor. Speaker, the Citizen of the Year Award recognizes an individual who has given their time to volunteer, has made a positive impact qui a eu des répercussions positives auprès de la communauté. The award is sponsored by the Knights of Columbus Council 3305, the Essex Rotary, and Town of Essex, Heritage Essex, and the Essex Legion. Rotary Christine Essex, is also the daughter of former MPP de l'ancien député pour Essex, the late Pat Hayes, who was my political mentor, Speaker. Hayes, Christine carries on the tradition of activism, involvement, and a genuine compassion that her community, for her community, that her father instilled. I know that Pat will be looking down on her beaming with pride for all the accomplishments of his daughter, and I'm truly honored to be able to offer this recognition in the same chamber where Pat served the people of Essex County. Speaker, on behalf of the Ontario NDP, the members of this legislature, and the members of our community of Essex County, I want to congratulate Christine Hayes. We love you. Thank you. And congratulations. Déclaration des députés, député de Scarborough-Agincourt. Mr. Speaker, merci, Monsieur le Président. I rise in the House this afternoon with a heavy heart. J'ai le cœur gros. Yesterday around 1:30 p.m., gunshots were heard in my riding in the vicinity of two high schools. Tout près the de shooting deux that had taken place in a very busy plaza on Bonus Avenue and Birchmont Road has taken Birchmont the life of a young man aged 18 and destroyed the lives of many others who the police autres. Are so bravely looking to capture. La police, avec yesterday, courage, I was thinking of the parents and the students hier, je pensais aux parents et aux who were locked down in their places of learning and enlightenment following dans leur the incident. Suite I have personally spoken to some of these families and students, and I want to reassure them yet again that we will do our best to protect and secure our community. Mr. Speaker, Monsieur le Président, as the MPP and resident of Scarborough-Agincourt for the past 28 years, I am looking to reassert that we still do live in a safe, diverse and vibrant community. I am sure that this incident will make us que cet incident va nous renforcer et nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de fusillade que nous avons subi à Toronto cette année. J'ai hâte de faire partie du processus au cours des prochains jours et des prochains mois. Et pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais remercier les premiers répondants ainsi que les services policiers pour leurs actions diligentes et rapides et leur engagement vers notre sécurité. Je sais que les députés, les membres de la police de Toronto et des services ambulanciers ont fait en sorte que nos collectivités, nos quartiers et notre ville soit bien protégé et servi. Merci. Member statements, the member for Hamilton West, Ancaster-Dundas. Thank you, Mr. Speaker. I rise today to share with the member some positive environmental initiatives that are happening right in my own riding of Hamilton West, Ancaster-Dundas. Mr. Speaker, I recently had the pleasure of touring Mohawk College's Net Zero Industrial Building. I was sharing that tour with the Mohawk College president, Ron McCurley, and with my colleague, the member from Hamilton Mountain. This new joint center for partnership and innovation will be Canada's largest net zero building in all of Canada. The center will provide students and our community with a state-of-the-art lab. They include workshops, lecture theaters, and industrial training centers. In addition, they will have Ontario's largest solar carport at 50,000 square feet. And this has been engineered by a local firm, QPA, with McMaster University.
avec le centre d'ingénierie de l'Université McMaster, ce centre est très beau et qui a été conçu par B&H. Et c'est vraiment tout un beau site, malheureusement, avec l'annulation du plan d'action sur le changement climatique. Ils ont perdu 1,2 million de dollars dans un de leurs édifices. Ils vont devoir trouver d'autres financements. Mais comme les étudiants me l'ont dit pendant notre tournée, ils sont très emballés par cet édifice. Ils veulent qu'on comprenne qu'il est très important de s'assurer que nous comprenions que des projets tels que celui-ci épargnent de l'argent à long terme et, ce qui est encore plus important, on aide à diminuer notre empreinte de carbone, ce qui est tout à fait vital pour nos enfants et pour les générations à venir. Alors, félicitations, Collège Mohawk, pour leur succès. Member statements. The member from Mississauga Centre. Déclaration des députés. Thank you, Mr. Speaker. De this week is Mental Health Awareness Week, and Tuesday was Mental Health Action Day. I think it is important to distinguish these two great causes because we have arrived at a point in which we understand that awareness only goes so far without action. On Mental Health Action Day, I had the privilege to speak on behalf of our government at the Medical Psychiatry Alliance Conference at the Living Arts Center in my home riding of Mississauga Centre. There, I introduced the inaugural Hazel McCallion Endowed Lecture in Shaping Healthier Communities, un discours pour façonner nos collectivités et établir un pont entre la santé mentale et physique. J'ai été invitée par les partenaires Trillium et l'Institut de la Santé pour célébrer le premier discours dans la série après que Hazel McCallion, une grande maire, qui a été l'inspiration pour ce changement. Je suis très fière d'eux pour leur leadership et d'avoir with renowned state-of-the-art care, including their outstanding work on mental health, technologie, ainsi which demonstrates that with action, we can have great impact. I look forward to working with their leadership team on addressing positifs. Local health care needs avec leur leadership pour faire face aux problèmes de santé, car nous travaillons tous plus unis ensemble. Member statements. The member St. Catharines. Déclaration des députés. Député de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un enjeu des travailleurs blessés dans St. Catharines. Personne ne choisit de se faire blesser en milieu de travail, Monsieur le Président. Mais nous, à l'Assemblée législative, nous choisissons la façon d'appuyer les personnes qui ont été blessées au travail. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du problème de DIMI. Cela permet travailleurs aient un emploi, même si cet employeur, ce qui signifie que les travailleurs blessés auront un revenu qu'ils n'ont pas. Cette pratique permet à la CESPAT d'assumer faussement que le demandeur reçoit un revenu pour un emploi qu'il n'a pas et pour lequel la blessure les empêche de travailler. La détermination est utilisée pour diminuer les prestations des travailleurs blessés dans toute la province. Les travailleurs blessés tombent dans la pauvreté, ont des problèmes de dépendance et ont des problèmes de santé mentale, et ce n'est pas de leur faute. Si ce gouvernement se soucie vraiment à propos des travailleurs, ce gouvernement mettrait fin à la détermination immédiatement et donnerait aux travailleurs blessés les avantages qu'ils méritent. Si nous voulons faire des changements ici, pourquoi ne pas changer ces lois pour le mieux plutôt que d'empiéter sur les droits des travailleurs dans cette belle province? Je crois sincèrement que ceux du côté du gouvernement vont défendre les travailleurs blessés et mettre fin aux pratiques nuisibles de la détermination. Thank you. Merci. Member statements. Déclaration des députés. Député de Don Valley Est. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la violence par fusillade par les armes dans la ville de Toronto, dans la grande région de Toronto. Et pour la première fois à cette assemblée, j'aimerais vous parler des victimes, surtout les hommes noirs qui ont été assassinés depuis les 25 dernières années dans la ville de Toronto. Lorsque je parle de cet enjeu, je vous rappelle qu'il y a une estimation, je dirais que 1000 hommes noirs ont été assassinés dans la grande région de Toronto depuis les 10 dernières années. Les chiffres sont ahurissants. J'aimerais reconnaître les contraintes excessives subies par les mères, les pères, les familles, les quartiers. J'ai été élevée à Flemington Park.
Et dans ce quartier, il y a eu au moins une douzaine de jeunes hommes qui ont été assassinés pendant ma période de temps où j'étais là. J'aimerais vous rappeler que si nous parlons de plusieurs centaines de jeunes hommes noirs, surtout des jeunes, des adolescents dans la ville qui ont été assassinés, nous avons tous une responsabilité collective pour créer une stratégie afin de mettre fin à la violence par les armes, les armes à feu. Et la méthode que nous entreprenons n'est peut-être pas juste la bonne, et la police le reconnaît. Le plan pour les Noirs est une collecte de données pour mieux comprendre les enjeux. Alors j'aimerais juste reconnaître la perte de vie dans cette ville et de rendre hommage aux mères, aux pères et aux familles qui ont eu de la difficulté à cause de cela dans cette ville. Merci, Monsieur le Président. Member statements. The member for Scarborough, Rouge Park. Thank you, Mr. Speaker. Rouge Park. This year, Toronto Cette année, City Council approved the naming municipal of a section of the water fund trial in the Port Union area d'une région à Toronto et qui traverse ma circonscription comme étant la piste Ron Moser au nom de feu Ron Moser. Samedi, des résidents de ma circonscription et des représentants de tous les paliers du gouvernement vont se réunir pour Ron Moser was lui donner, known as lui a quiet but effective counselor. He was a veteran city Il était un ancien conseiller municipal qui a servi cette région de Scarborough pendant presque trois décennies après sa première élection dans la ville de Scarborough en 1988. Pendant son mandat comme conseiller, Ron a lutté pour la création et la protection des espaces publics et c'est grâce à lui qu'il y a eu la création d'un du plus grand parc urbain du Canada. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour honorer Ron Moser, l'homme qui était dévoué pour aider et améliorer la vie de ses commettants ainsi que les quartiers de Scarborough-Rouge Park. Je le remercie pour son travail accompli dans la ville, d'avoir créé des beaux espaces, des parcs, des forêts et des pistes au bord de l'eau. Merci, Monsieur le Président. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier soir, un jeune garçon de 18 ans a perdu la vie. Il se tenait avec ses copains dans un centre d'achat lorsqu'il a été fusillé. C'est le 83e homicide dans notre ville. Il y a quelques semaines, dans ma circonscription de Scarborough Sud-Ouest, près de Danforth, nous avons eu une tragédie semblable. Suite à cette tragédie, hier soir, le conseil scolaire de Toronto avait quatre écoles à Scarborough dont les portes étaient verrouillées. De nombreux parents étaient paniqués. Les parents ont appelé le 911 tellement souvent que la police a dû intervenir pour garder les lignes ouvertes pour les urgences. J'ai eu l'occasion de parler à des enseignants dans ma circonscription et ces gens ne sentent plus rien. Le message, c'est que ces incidents se produisent trop fréquemment, on ne sait plus quoi faire. Le message qu'on transmet à nos enfants, c'est que ce n'est pas un problème de ne pas agir. Je pense qu'on peut en faire bien davantage que d'en parler. Je partage les impressions de mon collègue de Scarborough, agent à court. Je pense à vous et je suis d'accord avec le député de Don Valley-Est. Et ce que nous devons accomplir, c'est d'aller au fond des choses. Nous avons parlé du fond des choses depuis des mois, c'est-à-dire d'avoir des logements plus abordables, des garderies, des transports publics. Dans ma circonscription, j'ai le taux le plus élevé de pauvreté chez les enfants à Scarborough, Sud-Ouest. Les programmes que nous avons sont formidables, mais nous avons besoin de soutien, plus de financement, car il faut vraiment aller au fond des choses afin de régler le problème. Merci beaucoup.
Member statements. The member for Chatham-Kent-Leamington. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole pour attirer votre attention et certains jalons dans les relations entre le Canada et le Japon et les commettants de ma circonscription. Nous avons planté des arbres sakura le 7 septembre. Nous avons honoré les deux jalons. Le premier, c'est le 30e anniversaire des excuses pour l'internement des Japonais lors de la Deuxième Guerre mondiale, dirigée par Ronald Reagan et Brian Mulroney, deux grands conservateurs. Cette année, c'est le 90e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Et c'est vraiment une relation importante que nous partageons entre les deux pays. Et c'est pour remédier aux erreurs du passé. Nous voulons apprendre des erreurs du passé pour évoluer. Le Japon est un de nos meilleurs alliés et c'est un leader mondial pour la paix, le commerce et les droits de la personne. Notre pays va continuer à travailler avec la population du Japon. Alors, un des résultats de cette relation, c'est qu'il y a eu des milliers d'emplois qui ont été créés, dont la moitié en Ontario. J'espère que cette création d'emplois va se poursuivre, surtout à Chatham-Kent-Leamington, dans ma circonscription. Alors que nous célébrons les jalons du passé, je suis honoré de réaffirmer l'engagement de notre communauté avec des héritages diversifiés. J'ai hâte de continuer cette relation avec le Japon, là où non seulement l'Ontario est propice aux affaires, mais pour des relations plus profonde également. Q. Member statements. Déclaration de député. The member for Ottawa West Nepean. Député de Ottawa West Nepean. Merci, Monsieur le Président. Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation canadienne de l'autisme. Comme vous savez, mon plus jeune frère Dylan est atteint d'autisme. Lorsque j'ai été élevé avec mon frère, il y a eu beaucoup de difficultés. Dylan ne parle pas, les lumières et les bruits le dérangent, et il a de la difficulté à communiquer ce qu'il désire. Mais comme toute personne qui connaît quelqu'un de proche qui a des besoins spéciaux, ces personnes vous amènent une joie unique. Ces personnes sont pures et innocentes. Parfois, ces personnes rient de façon spontanée ou sourient, ou ces personnes vous prennent la main spontanément lorsque vous marchez dans la rue. Bien qu'on ne sait pas pourquoi cette personne a ri spontanément, il y a quelque chose de calmant à propos de ces émotions spontanées qui se manifestent de façon la plus pure. Le rire, la joie, l'amour. Actuellement, un enfant sur 66 en Ontario est diagnostiqué avec l'autisme. C'est vraiment le trouble neurologique le plus populaire dans le monde. Au cours des quatre prochaines années, nous aurons l'occasion à la Chambre de débattre des façons dont nous pourrions aider des individus atteints d'autisme et leurs familles. Mais pour aujourd'hui et pour le mois d'octobre, saisissons une occasion afin de célébrer les choses merveilleuses que les individus atteints d'autisme nous apportent à nos vies et à nos collectivités. Saisissez un moment ce mois-ci pour rencontrer quelqu'un qui atteint d'autisme. Apprenez ce qui fait d'eux une personne unique. Vivez leurs défis et laissez-les enrichir votre vie. Et peut-être, simplement peut-être, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur vous-même dans ce processus. Merci, Monsieur le Président. Reports by committees.